Ok. Recommence. On recommence. De toute façon, on n'avait pas d'armes. On avait brouilleur de drone qui était agréable, mais on n'avait pas d'armes. Une boutique directe. Non, merci. Par contre, une nébuleuse dès le début, c'est cool. Là, faut l'arrêter tout de suite, le monsieur. Il a hacké direct les. Il a hacké direct les portes. Merde, je fais quoi moi? Faut que je fasse ça. C'était chaud. Ok, on a une boutique toute là-haut. Ok, on peut l'atteindre comme ça. Et la flotte n'est pas prévenue, donc ça va. Améliorer le réacteur contre tout ça. Ouais, vas-y. Je prends. Non, non, je télécharge les banques du vaisseau quitte à le réactiver, je m'en fous. On était bien parti, dommage. Oula, oula, on a pris 2 dégâts directs là, ça fait mal ça. Ok. Kaboom. Oh, tempête de gens, qu'est-ce qu'on perd? Le bouclier. On ne peut pas perdre le bouclier, je vous le dis. Faire perdre de l'esquive. Mais purée. Bon, on n'a pas Weapon Predator, donc on peut se permettre de se séparer des armes. Le temps de la tempête de Yon et on remonte. Boutique. 83, c'est peu pour la première boutique, mais on n'est pas assez équipé pour eux. Oh! Trop bien. Ok. Camouflage téléporteur contre les drones. Pas une... Oh non, mais si tout de suite, ils nous proposent du plaisir. Moi, je peux pas. Hein. Ouais, écoutez-moi. Si tout de suite c'est le plaisir. Que demande le peuple? La DCA pour ouvrir les boucliers. Et le Hurlace 2. Et le Burst Laser 2, pardon. Terminé. Bonsoir. On est confort. Là, on est confort pour au moins 2 ou 3 secteurs. En termes d'armes. Petite arme active là et c'est la fête du slip. Hein. Oh là, oh là, oh là. Ok.
Falloir qu'on sorte de là rapidement. Parce que le champ d'astéroïdes, c'est tout sauf la fête. Hein. Oh. Ouais, je suis obligé d'aller aux détresses. Non, 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 j'attaque. On attaque, on attaque. Aucune pitié pour les rebelles. Ah, j'ai les missiles. J'avais oublié. Parce qu'avec le Zoltan, on prend vite l'habitude que ben, les missiles, on s'en fout. Parce qu'on a le bouclier Zoltan pour les tanker, les premiers, mais. Bon, ben voilà. Je vous annonce, on a l'armement. Voilà. C'est bon. On a un armement à 8. Alors, le canon Vulcain qui est très drôle, qui charge au début à 11 secondes et qui finit par tirer à toutes les secondes. Donc, ben voilà, on a notre armement. Là, c'est l'armement qu'on aura face au boss. T'as bien raison, lui offrez votre aide. La réponse incite à l'aide, nos boucliers en la chaîne tiendront pas longtemps. Ouais, on va se protéger même si on subit un peu de points de dégâts. 13 de scrap, c'est toujours agréable. La détresse. Parce que là, il nous faut de la thune. Les contacter. Ok, c'était un appât. Le doux de l'espace. Yes, double récompense. Non, cela. Sortie. Ok, premier secteur, on prend beaucoup de dégâts. Mais on a l'armement pour le boss déjà. Donc, on va aller chercher de la thune, parce qu'il va nous falloir de la thune énormément. Parce que là, on a 4 niveaux à passer en arme. Il n'est pas activé, hein, le canon Vulcain, je vous le dis. Allez, arme active. Et c'est la fête. Oh, non, cachez-moi ces armes. Ça c'est glamour. Hein. Oui, c'est 21 secondes, ça tire 7. Ça tire un de plus, c'est sûr, c'est un peu plus efficace, mais on est déjà à 8 là. Donc non. Et on n'a plus rien à vendre. Parce que le canon Vulcain à vendre, 47, c'est quand même pas désagréable. Mais c'est assez familier que ce qu'on a pour l'instant. Donc on a 18 carburants. Ça roule pour l'instant. Ok. On est sous contrôle rebelle, donc il n'y avait qu'une seule boutique, c'était celle-là. Intervenir pour défendre l'avant-poste, possibilité de double récompense. Ah, mais on est imbutable! Mais on peut pas XP. Donc c'est le moment de tester le Vulcain. Vous montrer ce que ça fait le Vulcain. Regardez. Comment c'est agréable le Vulcain. Vous allez voir. Quand on sera à plus 5, quand on sera à plus 5, il fera beaucoup moins la fête. Hein.
Déjà, il commence déjà à moins faire la teuf, hein. Voilà, c'est parti, plus 5. C'est tellement drôle le Vulcain. Double récompense. C'est tellement glamour le Vulcain. C'est la poésie. Évidemment, double récompense encore. On va se faire pirater. On va se faire pirater quoi? Bah, l'oxygène par pitié. Oh putain. Et comment l'oxygène elle descend en 2 secondes? Aïe 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 aïe. Il faut vite éliminer le. Ce piratage à la con là. Ok, 29 et anti-drone de combat avec 15. Ok, c'est pas mal, ça se vend bien. On se fait tout le haut en descendant là. Je pense qu'on va faire tout le haut. Ouais. Le choix est fait. Le voyageur est arrivé. Allez, ce rebelle patrouille toute sa belle, se jette instantanément sur vous alors que vos hommes se ruent sur leur poste. Les capteurs détectent un signal de téléportation proche. Vous avez un intrus à bord. Un soldat rebelle paniqué vient de se téléporter à votre bord. Il a l'air désarmé et ne cesse de clamer qu'il est dans une station pacifique. Apparemment, la vie de rebelle ne l'intéresse plus. Acceptez son offre. Évidemment, viens parmi nous, Philippe. Sois le bienvenu, Philippe. Tu vas être occupé des boucliers. Et pendant ce temps-là, nous, on va ouvrir les boucliers du poteau et lui éclater le bulbe. Allez. Bon. C'est assez désagréable, hein. On va s'en occuper. Allez, ça dégage. Eh ben cette partie se passe très bien, un membre d'équipage en plus. Va quand même falloir penser à passer au deuxième bouclier prochainement. Sachant qu'on est en zone hostile, ça serait pas déconnant de passer en deuxième bouclier là, il n'y aura pas de deuxième boutique. On passera peut-être au deuxième bouclier à la fin de la zone. Oh le missile! Extincteur automatique. Non mais c'est la fête cette partie. C'est la fête du slipe. Vous arrivez dans un secteur à forte densité de population, un marchand diffuse un message indiquant qu'il cherche un vaisseau mercenaire pour l'aider. Souhaitez-vous répondre? Évidemment. Votre appareil semble bien équipé. J'attends un vaisseau transportant une cargaison de marchandises, mais il a une semaine de retard. Si peu de retard. Dans l'empressement, ces imbéciles ont voulu traverser un secteur grouillant de pirates et je crains pour leur sécurité, mais bien, sans déconner. Je cherche un capitaine moins stupide pour aller voir ce qui leur tourne. Ah bah, nous sommes présents. Vous avez ajouté un marqueur de quête. Oh, en plus, il est sur mon chemin. Non mais si c'est pas du plaisir. Allez, go! Par contre, ouais, on a pris quelques dégâts. Vous portez au secours du secteur du vaisseau civil, évidemment. Vous activez vos armes, vous engagez le combat avec le vaisseau automatisé. Oh, j'en ai marre des drones. Mais là, on a un mec au bouclier, donc ça devrait aller plus vite. Oh, petite esquive. Petite esquive qu'on apprécie toujours, hein. Oh le feu dans les boucliers. Au secours. Au secours. Vite, tire dessus. On prend beaucoup trop de dégâts. Hein. Respirateur d'urgence et décharge à partir. Non mais on a trop de trucs à vendre là. C'est trop bien, les secteurs comme ça c'est trop bien. Bon, on a mal, mais en termes de scraps, on est bien. Par contre, va falloir commencer à arrêter de déconner, donc on va faire
1, 2, 3, 4, je pense. Oh, le pire move. Oh, les intrus. Combien ils sont? Oh, beaucoup trop. Vite, vite, vite avant le soleil. Oh, c'était chaud. Vous arrivez au dernier coordonnée enregistrée sur la caraison. Le marchand active le scanner autour de la. Le vaisseau a disparu. Désactive le scanner. C'était un vaisseau pris en chasse par des pirates. Ça doit être le vaisseau contenant un cargaison perdu. Vous avancez pour les sauver. Le vaisseau pirate qui a un laser lourd. Ouais, le deuxième bouclier va commencer à devenir indispensable. Je sais pas comment j'ai fait, mais bien joué. Le DCA qui a arrêté le tir de laser lourd. Allez, c'est terminé. Merci, bonsoir. Quelle était la cargaison? C'est tout? Putain, l'arnaque. Ah, à mon avis. À mon avis, on a un peu mal. Prochaine séance, on va mettre le deuxième bouclier, je pense. Les conduits, vous ajoutez un marqueur de 4. Suivant, on est dans le rouge. Ok. Ok, on va soigner tout le monde. On va attendre d'avoir l'oxygène à 100. Parce que là. Là, ça va piquer. Ok, 25% d'esquive, 2 boucliers, les armes. C'est parti. Pas d'ASB. Bonne nouvelle. Par contre, un peu abusé leurs armes, non? C'est quand même secteur 2, quoi. Dès qu'on peut sauter, on saute, hein, je vous le dis. Engie. Engie, ça veut dire trois boutiques. Et la quête est juste là. Perso, ça me va. Drone de combat en plus, super. Ouais, on va faire ça. Voir où il y a une boutique en dessous. Les ennemis vous attendent à côté de la balise, mais leurs armes sont actives. Ils expliquent que vous avez à bord un virus informatique recherché pour plusieurs actes hostiles contre leur espèce, brouillage, minage multiple, machin, machin. Ils insistent, ils vont devoir détruire votre vaisseau pour empêcher le virus s'enfuir. Leur dire ce camion, vous êtes en train de purger le code du système. Rien de. Ok, hyper patient des attaques. Ok, on aurait eu le choix bleu, c'était bon. Oh, ça chatouille, hein. Oh, bon, ça va, en fait, on craint rien. En fait, c'est le moment d'XP. Ah non, on a qu'un seul bouclier, donc oui, non, pas du tout. C'est pas du tout, du tout le moment d'XP. On a qu'un seul bouclier. On aurait eu les deux boucliers, c'était bon. Mais bon, un seul. Visiblement, on n'a pas envie de jouer avec nous. Il risque de continuer à contaminer les vaisseaux dans ce secteur, mais votre mission est trop importante. Sur toutes vos armes. Hop, ok, on se casse. L'objectif de l'autruche, on se casse.
Vous escortez le vaisseau jusqu'à la base demandée, votre grand désarroi, vous êtes pris en embuscade par un vaisseau rebelle, vous foncez tête baissée dans leur piège. Les raclures de bidets. C'est pas très grave. Parce que. Ah oui, il y a un Ion Blast 2 quand même. Hein. Un Burst Laser 2, pardon. En plein dans les portes. Salaud! Ok, c'est bon. Allez, ça dégage. Ouf, non, de la merde. Y a du carburant, c'est mieux. On commence à avoir des scraps. Parce que là, il va commencer à falloir des sous-systèmes quand même. Hein. On n'a pas grand-chose là. Hein. On peut vendre des trucs, mais là il n'y a pas grand chose. Hein. À moins de mettre le Vulcain tout de suite. Oh, j'ai de la chance, 22 scrap. Il va falloir trouver la boutique, hein, je vous le dis. Piéger la cache. Oh oui, ça je le fais tous les jours. Piéger la cache, je le fais tous les jours. Payer le prix demandé. Jamais! Plutôt mourir. Ouais, alors oui, avec le lance-missile, oui, ça pourrait être agréable. Il va falloir vite charger. Non. Vite! Ah, ça va me toucher. Oh, esquive. Je sais pas renommer. Alors, on est censé avoir trois boutiques hein, ici, donc, juste comme ça. Hein. Pour l'instant, il y en a au zéro. Écoutez leur problème, oui, c'est important. Membre d'équipage humain, envoyez un humain discuter avec le Mantis. Il va le buter. Heureux de voir un autre humain, le Mantis se présente comme Robert Smith, explique qu'une colonie même proche le ramener chez lui. Oui, je le prends à bord. Un Mantis, c'est toujours agréable, un Mantis à bord. Tu veux aller aux caméras, mec. Un petit Mantis. Ah, le Mantis s'appelle Paul aussi, hein. Ah non, toujours pas de boutique, hein, non. Toujours pas de boutique. Vous arrivez dans un secteur en porte un marchand distribue. Ah, voilà. Je craignais que personne ne me réponse pour transport habituel à plusieurs jours de retard. J'aimerais savoir si vous voulez laisser caresser dans cette petite station quelque chose d'ici. Oui, bien sûr. Oh, il me donne des drones. Oh, pff, tranquille, je vais aller là. Ok. Répondre à l'aide et se porter à leur secours. Vous approchez un vaisseau Mantis. Oh merde, avec un téléporteur déjà? On est imbutable. Ils peuvent rien nous faire en fait. Par contre, le Mantis, oui, il va être désagréable. Il est où? C'est le moment d'XP, hein, je vous le dis. C'est le moment d'XP pour la simple et bonne raison que. Voilà, bon, le Mantis répare. Mais c'est un canon laser 1. Donc il va m'enlever un de bouclier. Et c'est un rayon 1. Donc bon, bah, on craint rien. Donc on peut XP tranquille. En toute logique. Hein.
Voilà. En plus, ils sont désynchronisés, tant mieux. Quand, 10 points de vie, c'est chaud, hein. Voilà. On est parti pour XP, bouclier, moteur et pilotage. Je pense que c'est le moment de regarder la petite vidéo, je pense. Qu'est-ce qu'on a? Parce que là, ça va vraiment de l'XP. Bon, après, c'est des humains, ça XP assez vite, mais quand même. Pip, pip, on est indestructible. Hein. Pip, 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 pip. Pim, pim. Voilà. Tu voyez là l'XP qui monte là. On est bien. Ah, FTL, c'est le jeu de la patience. Hein. Le petit jeu de la patience. Hein. Tu. Ah, ils peuvent rien nous faire. D'où le fait qu'on a bien fait de mettre deux boucliers. Enfin bon, si on trouve une boutique, on va quand même se soigner. Hein. C'est important là. Alors, qu'est-ce qui se dit dans le monde? Il se dit pas grand-chose, hein? Ok, on a commencé à améliorer un tout petit peu, mais pas beaucoup. Ah, mais là, faut XP à mort. Hein. No choice, hein. C'est clairement le moment d'XP, hein. Il faut. C'est maintenant qu'il faut en profiter. Hein. Est-ce qu'il plus 5 avec un homme? S'il est max, c'est plus 20. Hein. Se recharge 10% plus vite avec un homme. Est-ce qu'il faut le 5? Ouais, non, mais faut. C'est le bouclier qui XP le plus, non? Ouais, ça va, ça va, ça bosse bien.
Peut-être une coupure pour YouTube. Pili, 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 pouet. Bon. Je reviens. Je vous laisse avec l'XP. À tout de suite.
Alors, cette esquive, on en est où? Ça a l'air pas mal. Ah oui. Presque au max bouclier. Bim. Attendez, j'ai déjà des documents. Qu'est-ce que c'était écrit là? Et là? Ah oui, c'est pareil. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Sur 13. 4 sur 13. 24 sur 50. Bon, bah ça va. Faut encore faire quelques petites esquives. Yes. Pélé, 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 pépé, pépé, pépé. Au moins la musique est bien. On est presque bien. Allez, fais encore 7 esquives. Allez, plus que 5, plus que 6. Non, plus que 7, plus que 7. 7 esquives. 7 esquives, on est au max. Et en termes de bouclier, on est presque au bout. 33 sur 50. 17 tirs. 16 tirs. J'espère qu'on fait pas tout ça pour derrière lamentablement se faire latter le huc. Pas pourquoi j'ai mis en ligne le Vulcain pour le LOL, mais sûrement pour le LOL. Allez, on y est presque 13. Mais rate-en un peu là. Ouais. Super, encore 6. Encore 11. 11 tirs, 6 esquives. Pili, 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 pili. Du, du, ah, c'est dur, hein. C'est dur de pas faire d'esquive. Je pense qu'on sera au max bouclier avant d'avoir les esquives. Une fois qu'on sera au max bouclier, on commencera à la smater.
6 esquives, ça se fera sur le long terme. Dans la tête, une ou deux qu'on esquivera en plus, voilà, plus que 5. Encore deux. On va laisser les armes tourner, on va tirer qu'à la DCA. Ok, max bouclier. Mais là, il nous faut encore 5. Ok, donc contactons les NJ. Le mantis a dû laisser l'appel des adresses afin de tendre un piège au vaisseau. C'était un piège. Le salaud. Ok. Rien. Par contre, on peut aller direct à la quête ou pas? Ça va être chaud. Ça va être chaud d'avoir la détresse et la sortie. Je vous le dis. Oui. 6 du. Ah oui, je l'ai pas. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Vous avez ma arrestation et voir de quoi il en retourne. Il me donne ça, des scraps. Très bien. Oh là là, on a encore la sortie qui est piégée, quoi. Oh là là, la boutique est trop loin. Oui, je prends l'argent. Oh, purée, regardez-moi ça. Allez, c'est pas grave. Il y a la SB là, forcément. Ah non! Par contre, il y a un téléporteur. Il va quand même pas oser se téléporter. Oh le salaud. Vous l'avez vu le Vulcain là? Faut vite le mettre en service, hein. Ouf, ça fait mal, fait chier, c'est un secteur vert, j'ai pas vu une boutique, quoi. Ok, monde natal des Zoltans. Il faut soigner Paul avec tout ça. Toujours pas de boutique. On va aller par en bas tout de suite. Faut qu'on trouve une boutique parce que là ça. Oh Mais ouais, mais si j'avais une boutique, j'aurais vendu tout ça déjà. Oh là là. Wow. Ça va les armes là? Tranquille? Oh mais là ça devient critique de trouver une boutique. Hein. Je sais pas. Non, vous ne vous rendrez pas. Vous êtes trop nul. Ouais, salut. Allez, allez, allez. Oui, du carburant. Oh, oui. Par contre, non, mais là, ça devient chiant de pas trouver de boutique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore un vaisseau pour XP, hein, mais on va éviter de se refaire ça.
Par contre, il y a un NJ donc il va réparer à la vitesse de la lumière. On va lui envoyer la DCA dans la tronche, ça va le détendre. Voilà. Alors là, c'est le Mantis qui répare les armes. On est plutôt tranquille. Bon là, c'est la détresse un peu, hein. Ok. Oh! Mon Dieu! Elle existe vraiment! Ok. Donc, en plus, elle est toute pourrie, mais on va réparer. Parce qu'on est... on était pas bien, donc dans le mal. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ça, c'est nul. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter ici? Rien. Ou des armes d'équipage? Non, non, mettre en arme, mettre en réparation, non, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Du carburant, allez, on va monter à 20, on sera peinard. Ok. Ok, signal de détresse. Parfait. Vous tombez sur un énorme cargo de temps sans personne à son bord pour le diriger. Ce qui est avec l'équipage devient un mystère, mais serait dommage de profiter de l'occasion de 40 scraps et d'un carburant, évidemment. Je peux attraper ici ou pas? Je peux monter. Okay. On va faire clac, 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 clac. On va faire ça. Un vaisseau rebelle s'avance pose la question d'un appareil piloté par une intelligence artificielle et donc impossible de parlementer. Oh! Alors, Ion Blast 2, super canon lourd MK2 et camouflage du plaisir. En vrai, on peut mettre le Vulcain en ligne, hein, pour info, si on vraiment en a besoin. Oh, il a de l'esquive, il a de l'esquive, il a de l'esquive. Le salaud. Ok. Beaucoup d'esquive. Bon, les armes, c'est fait. Le bouclier, pas encore. Petit feu. Paul, il va aller. On est où? Encore une esquive. Hein. Et on est maître. Demander, ouais, je m'amarre avec lui. Hein. Ok. Oh les mecs, détendez-vous. Hein. Double canon lourd. Burst laser 2. Ah, doucement, les gars. Détendez-vous. Hein. Je vous jure, hein. Moi je suis pour la paix des ménages. Hein. Alors là, on est en esquive plus 10. Hein. Et normalement, on est bientôt mettre en arme, voilà ce que j'allais dire. Donc rechargement 20% plus vite. Pour le Vulcain, c'est insane. Je vous le dis. Le Vulcain, ça va être indécent. Je pense que je vais le mettre en ligne là prochainement. Vu tous les scraps qu'on a. Attendez, ceci n'était qu'un test et vous l'avez réussi. Un équipage disparaît qui travaille ensemble, ça fera choquer n'importe qui, j'accepte de me joindre à vos hommes. Et on a un Zoltan. Flûte. Ça m'arrange, mais pas des masses. Parce que le Zoltan, on le fout dans le bouclier normalement. Bah là, il y reporte. Il y reporte quoi, mais. Ouais, on va mettre le Vulcain en ligne, je pense, avant la fin du secteur. Testé dans un champ de débris qui était trop fort à un croiseur dans le temps. Malheureusement, son escorte NJ vous prend pour un agresseur et refuse de contact et repose immédiatement.
On aurait dû mettre en ligne de Vulcain. Défense 2, donc il va forcément taper un des scraps. Mais si les deux scraps se passent, ça fait tomber le bouclier. Voilà, ok. Donc là on craint rien. Tant que c'est que le rayon H qui est en ligne, on craint rien. Par contre là tout est en ligne, donc là c'est vite la sauce. Oh là là, oh là là, oh là là. Vite, 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 tire. Mais tout rate. Tout rate, au secours. Quand ça va toucher, ça va faire mal. Hein. Je te le dis. Ok, c'est bon. Ok, le rayon H est en ligne. Ah, c'est pas un vaisseau facile, ça. Hein. On est bien important, mais c'est pas un vaisseau facile. 50 scrap. Ça, c'est du plaisir. Oui, on monte. Vous constatez, acceptez leur étude. Ils nous donnent des scraps encore. Bon. Là, on a bientôt 1000 scraps. Va falloir faire quelque chose. Hein. On n'a aucun sous-système, on est tombé sur aucune boutique qui nous vend des quelconques sous-systèmes. Oui, on s'amarre à la plateforme. Commence à remplir vos réservoirs. Oh putain! Hop. Ok. Donc, en vrai, on peut faire ça. Hein. Et là, troisième bouclier, secteur combien on est? Secteur 4. Troisième bouclier secteur 4. Je sais plus à combien on est d'esquive. 35% d'esquive. C'est correct. Hein. Et le Vulcain est en ligne. Alors ça. Ça c'est tout de suite la fête. Moi je vous le dis. On prend juste un peu trop de dégâts à mon goût et il nous faut des. On va chez les Rockmen. Hein. Quoique, on aurait pu aller chez les Zoltans, mais bon. Il nous faut des boutiques. Enfin. Il faut qu'on ait des sous-systèmes là. On n'a aucun sous-système. Là, le boss, on le bat pas hein, sans sous-système. Vraiment. Hein. Un vivant seul dans une grotte, je peux essayer de le ramener et Paul est mort. Oh, c'était Paul qui? Oh, c'était le. Bon, bah, le Zoltan, il a trouvé son utilité. Pépé, 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 pépé. Va falloir faire de l'esquive maintenant. Paul est mort. Ouais mais là attends est-ce qu'on peut remonter? Non c'est ça le plan, on peut pas remonter. Pourquoi je suis parti par là? J'ai perdu Paul. Désosser le vaisseau, oui. Ok la détresse on va la faire juste après. On a 11 carburants, on va vraiment falloir trouver une boutique. Les attaquer.
Vous engagez le combat. Ok. Donc la DCA sur les boucliers. Il a pas de téléporteur. Oh là là. Pas de téléporteur, on va lui montrer que. Faut pas nous enquiquiner. La DCA va partir ici. La DCA, le but c'est d'ouvrir les boucliers, donc qu'elle aille en plein milieu du vaisseau. Le Vulcain, il va finir partir à combien? Une seconde, 20% d'une seconde, il va tirer toutes les 40 secondes. Toutes les 41 secondes, je pense. Ah ouais, il va tirer toutes les 41 secondes, ça va être indécent. Ok. Oh oui, leur vendre 15 missiles pour 40 scrap, ça c'est toujours la bonne quête qu'on aime. Mais pas de boutique, hein. Ça c'est un vrai drame. Hein. Chercher le vaisseau, ok, encore des scraps. Non mais là on a besoin de réparer et de l'essence. Vous rencontrez un vaisseau rocailleux, vous tentez de communiquer avec lui, mais il prend ça pour une transaction et ouvre le feu. Ok, burst laser. On va spammer le pilote. Si on pouvait avoir arme active, ce serait insane. Le Vulcain, il va spammer le pilote de toute façon. Pouf. Ah mais le Vulcain, quand il va tirer en accélérant, ça va être horrible pour lui. Hey, parti pour le Vulcain. Je refuse. Ah, le rayon Vulcain quand il s'y met. Je suis obligé de prendre la sortie. Hein. C'est abusé. J'ai 300 scraps. Je peux rien faire. Je peux littéralement rien faire. J'ai 300 scraps mais aucun sous-système. Oh là là, et le drone anti-personnel qui arrive, le drone intrus qui arrive. Non mais vraiment. Bon, le Vulcain sur les armes, c'est pas au plaisir. Hein. Parce que là, bon. Oh, la boutique était là, mais vous voyez, on était coincé là. Bon, secteur civil. Ah, là, il nous faut des soucis. Il nous faut camouflage. On va prendre camouflage, main contrôle, piratage, je pense. Parce qu'on n'a pas assez de personnel pour. Oh! Un vaisseau pirate à proximité, module de piratage de pointe. A manifestement coupé vos moteurs, votre équipage permet toutefois de garder péniblement personnel vous manœuvrez pour attaquer. À l'aide. Et laser. Oh non, mais c'est pas drôle là. Non mais là, vous avez pas d'humour. Hein. Moi je le dis, vous avez pas d'humour. Va falloir que le Vulcain il commence à faire son taf, hein, je vous le dis. C'est parti, le Vulcain ça y est, c'est parti. Il est parti en spam. Le Vulcain est spam, ça y est, hein, c'est parti. Non mais là, là c'était drôle, ça l'est plus.
3 de carburant, mais non, j'ai pas assez. Parce qu'en fait, il faut que je trouve, comme d'hab, une boutique pour acheter des sous-secteurs, des sous-systèmes. J'ai bientôt plus de carburant. Jamais j'achèterai d'esclaves, par contre. Le Vulcain, il va spammer le pilote. Et le laser, les armes, parce qu'il y a un sale missile ici. Oh purée. Oh, ça va être dur. Oh, c'est les portes et il y a un feu. Heureusement, la DCA a tiré. On va perdre, hein. Faut qu'on s'échappe. Faut qu'on s'échappe de ce plan. Poireux. Non, j'évite de m'emmêler parce que là, faut que je répare. Il me reste 5 points de vie. Il faut vraiment trouver la boutique. Oh, merci. Ok. Mais vraiment, il n'y a pas de. J'ai pas de sous-système? Mais je vais craquer? Je fais comment? Je fais comment pour battre le boss? Comment je fais? Oui, mais là je vais chercher l'autre boutique. Là, il faut qu'il y ait des sous-systèmes là. Pas le choix de faire ça, j'aime pas trop, mais pas le choix. Pas le choix de faire ça. J'aime pas trop, mais. Ah, bon, bah. Déjà. J'ai pas besoin du combat. Par contre, anti-drone et défense, oui. Bon. Donc, il faut que je mette un point dans les drones. Ok. Ok. Oh, la tempête de Yon. Oh! C'est cadeau. On a de la marge, on l'a sorti dans une tempête de Yon, donc. Ah! Des intrus, je suis ravi. Ils sont dans la Med B. Parfait. Moi, les intrus dans la Med B, tous les jours, hein, je prends. Sheldon, il est bon en combat. Tant mieux. Ah, non, il y en a là. Il y en a encore un? Non, il n'y en a plus. Ma vie, c'est de la merde.
Là, je peux encore installer un sous-système. Je pense qu'il y a une fuite d'oxygène, mais non, il n'y en a pas. Je peux encore faire un normalement. Allez, pas une tempête de ion, par pitié. Ok. Qu'est-ce que c'est? Un piratage encore. Bon, le Vulcain. Vulcain sur le piratage, et ça là. Les moteurs, super! Le kiff. Ah, il existe. Oh, le missile. Elle est passée? Oh, elle est passée. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu dans l'oxygène! Falloir la réparer ça en 2 secondes. Aïe 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 aïe, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Voilà, merci, ferme les portes. Allez les gars, réparez-moi ça en 2 secondes, s'il vous plaît, par pitié. Ok. Faut éteindre le feu maintenant, les gars. Ok. Pas facile, hein? Pas facile cette partie. J'en ai connu des plus simples. Allez, on prend la sortie. Bah c'est le dernier rempart, donc je suis ravi. Donc j'ai amélioré les drones, donc 1, 2, 3. Et bah 24, 24, pour l'instant je peux rien faire. Ah non, j'ai encore le monde natal des NJ, ça va, il me restait un secteur. Ah la panique. Il me restait un secteur. Bon, j'ai l'anti-drone hein, au cas où on vient m'enquiquiner. Et une drone de défense s'il y a trop de missiles. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça depuis tout à l'heure avec les missiles que je prenais dans la tronche. Mon natal des NJ, 3 boutiques, donc normalement on devrait trouver le camouflage ou le mind control. Boutique. Ah mais j'ai pas de scraps. J'ai plus de scraps, j'ai tout dépensé. Ouais. Ok, on attaque, on attaque. Ah ouais. Ah oui, ce. Ils sont pas là pour enfiler les perles, les mecs. Hein. On va spammer le pilote. La DCA là. Et le perso sert de ça. Toute façon, défense, il va taper normalement 2 scraps. Va falloir tanker un petit peu tout ça au début. Le Vulcain c'est parti, hein. Ça y est, le Vulcain il est parti. Ça y est, c'est la fête du Vulcain. Ah, quand le Vulcain est parti, c'est fini, hein, c'est la fête du slip. Hein. Heureusement qu'ils l'ont coupé. Hein. Ok, détresse et boutique. Bon, on n'aura pas assez de scraps pour le camouflage. Lancer un autre scan. Sauver l'NJ. Oh! Un NJ de sauver. Bah, tu vas aller aux caméras, mon gars.
94, direction la boutique. Allez, 94, on peut avoir le mind control. Rayon, combat, on s'en fout. Brouilleur de défense, c'est vraiment bien. Recharge rapide augmente le rythme de recharge des boucliers du vaisseau. Ouais, je pense qu'on va prendre ça. C'est quoi la page 2? Non, non, pas besoin d'armes. On est très très bien en armement. On les a eu tout de suite, de toute façon, donc. C'était l'avantage. Tu le vois? Mantis, donc on a un téléporteur, donc on va DC1 ici, le laser là, et comme d'hab le Vulcain, on va spammer ici. On a un lance-missile, donc on va sortir le drone de défense pour le lance-missile et on va mind control. On va mind control là. Voilà, comme ça se téléporte pas à deux. Ça se téléporte tout seul. Yes. Et voilà. Comment contrer un Mantis? Bon. C'est parce qu'on a ce qu'il faut, hein. Sinon. Par contre, j'ai pas racheté de carburant en boutique. Un peu con. Faudra qu'il m'en donne lui. Hein. Le Vulcain quand il démarre, hein, c'est exceptionnel. Ok, deux carburants, c'est très bien. C'est typiquement ce que j'ai besoin. On peut faire 1, 2, 3. Ah merde. Ouais. Bon, je pense qu'on a encore 3 sauts et on repart. On n'aura pas trouvé ce qu'on voulait. Oui, on leur donne même 15 missiles, j'en ai pas besoin des missiles. Mélangeur SPL. Oh, le. C'est nul. Méga chargeur SPL, je l'ai déjà. On va faire de la thune. Oui, le laser sur les armes et le Vulcain sur le pilote. Bon, ça va vraiment se téléporter. Il y en a qui ont des bols, ça, je le dis. Allez, mind control du pilote pour que ça puisse toucher. Non, c'est famélique. Je veux plus. I want more. Ouais, une cochonne. Tombez sur une station commerciale. Mais dès que vous approchez, une mise en garde vous a envoyé avec tous les vaisseaux de la région. Vous a cliqué dans quelqu'un avec les sympathisants de la Fédération et s'opposant aux rebelles, machin. Contrôle mental, influencer l'annonceur. Et ben ça fait chier. Voilà. Ça fait chier. Et ça fait chier. Par contre, on peut vendre ça. On peut vendre ça. Ça, on s'en fout. Et la salle des clones aussi. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, bah, c'est déjà c'est clac-clac d'entrée. Donc, clac-clac pour le téléporteur. Non, on va plutôt faire ça. Alors, vaut mieux mettre le mind control au max. Donc, on aura besoin de l'un ou de l'autre. Non, on aura peut-être besoin des deux. On coupera la mètre B au pire. Allez, c'est parti!
Ok. Dites carburant. Et voilà. Ok. La base est là. On a un stand de réparation là. Ok, c'est parti. De toute façon, on a besoin de rien. Donc, mis à part des scraps pour continuer à améliorer tout ça. On a le temps, on a le temps, on a le temps. On a un petit peu le temps là. Voilà, c'est très bien. C'est pas très agréable tout ça. Bon, allez, mon petit gars. On va mind control. Le pilote. Pas le choix, obligé de mettre le drone de défense en ligne. J'aime pas trop faire ça, mais bon, pas le choix. Et le Vulcain est au max, ça tire. Ok, parfait. On a pris 0 dégâts. C'est parfait. Si je vais à la réparation, par contre, je l'ai dans l'os, hein, derrière. Donc là, on va être obligé de se rebattre. Et il y a un ASB, donc c'est plus la même ambiance du tout. Il y a un lance-missile. Oh, il y a Vulcain. Oh, faut vite se débarrasser du Vulcain, donc tout dans les armes. Oh là là. Dès qu'on peut sauter, on saute, hein, je vous le dis. Oh, la SB est verrouillée. Youhou! Bon, il y a un intrus, mais c'est pas très grave. On va lui régler son compte. Donc, attendez, anti-drone tout de suite. TCA, le laser, le Vulcain sur le bouclier. Pas le mind control. On va tout mettre sur l'oxygène. C'est parti. Ok, c'est bien, l'anti-drone fait le taf. Le Vulcain tire sur le bouclier, hein. Il est en train d'enlever tout le bouclier. Donc c'est exactement ce qu'on va faire, hein, sur le vaisseau principal. Hein. Le Vulcain il va tirer sur le bouclier. Hein. Le laser à rafale 2 il tirera sur le piratage. Pour arrêter le piratage en cours, on aura le drone de défense. Ok. Voilà. La base. Ok, c'est parti. Bon, normal. Petite. Ok, c'est les boucliers, c'est super. Fais chier. Ça va être l'enfer. Donc, piratage, la DCA ici, le laser là, et la téléportation ici. Hop. Allez, remets-toi en ligne.
chaud, 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 les haricots sont chauds. Ça commence très mal. Ça commence très mal. N'y a plus de bouclier, c'est l'enfer. On va mind control le pilote. Ah, j'ai plus Vulcain en ligne. Oh, putain. Le truc qu'il fallait surtout pas enlever en ligne. Oh là 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 là, quel enfer, quel enfer, quel enfer, quel enfer. Ok, ils en profitent pour se soigner, moi ça me va. Faut vraiment spammer le... C'est vraiment le piratage qu'il faut vraiment se débarrasser tout de suite. Oh! Elle fait mal cette phase, hein, je vous le dis. Le piratage des boucliers est vraiment le sale plan. Je vous dis, le piratage des boucliers, c'était vraiment le pire plan. Heureusement qu'on a l'NJ, hein. L'NJ qui nous permet de réparer plus ou moins correctement. Où est-ce qu'on est? Ouais, encore un peu. On va remettre contrôle le petit là. Aïe 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 aïe, ça fait mal. C'est bon, il n'y a pas besoin de retourner là, oh, de se retéléporter, on va juste réparer un peu tout. C'est bon. Heureusement qu'on a le Vulcain, hein, je vous le dis. Hein. Oh, c'était chaud. C'était trop chaud. Le piratage du bouclier, vraiment le pire plan. Pire plan, putain. Comment je suis deg. On était tellement bien. Puis là, on n'a plus de réparation, donc on est obligé d'attendre. Ok, il va revenir. Par contre, il y a un truc qui va pas là. On est censé avoir de la place pour les boucliers normalement. Ok. Comme d'hab, on élimine tout de suite les missiles. Il n'y a plus de missiles. Les drones, ça tient le coup. Le Vulcain est au max, donc il est en train de spammer son... Il fait son taf, le Vulcain, ça y est, c'est parti. Le Vulcain fait son taf. On va mind control les petits là. Ok, on ne se retéléporte pas, c'est bon, le Vulcain fait son taf. Hein. Ah, ouh, ça s'est mieux passé déjà. On va les attendre. On a tout qui est connecté là. Le seul truc qui va être chiant là, ça va être le mind control justement. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Oui, les portes. Ok, on a un mec aux portes. Non, on va mettre un mec aux portes. Et nos combattants, on va les mettre au milieu. Parce que là, ça va se battre. On n'a pas besoin de ça. Oxygène. Ok.
On est prêt. Allez, on y croit. Ça va être très dur, mais on y croit. On a perdu beaucoup trop de PV sur la première phase. Allez, oui. Non, évidemment. Évidemment, le Vulcain va spammer tout ça. Attention à un truc détecté, oui. Ah oui, non, ce mind control là est l'enfer. Oh non, sors de là, 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 sors le plan, 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 sors le plan. Pourquoi ils sont allés là? Oh les cons! Oh ah, à mort. Mais il est encore sous main de contrôle là? Vite, viens réparer ça, toi. On a besoin de toi là. Oh, oh là 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 là. Oh là là là, il y a le feu partout. Oh, on a perdu le rôle de défense. Oh, c'est la merde. Oh là là, ils ont été dans les boucliers. Hein. Ils ont été que dans les boucliers. Bon, ben c'est dommage.